Allez. Tu mets tes pieds, t'as vu, hein, mes baskets, elles sont oranges. D'ailleurs, je vais mettre sur mon tapis, comme ça tu me verras vachement mieux. J'ai les pieds largeur de mes hanches, d'accord? Donc pas trop grand, pas trop petit. Largeur de tes hanches. Pointe de pied dans la direction dans laquelle tu regardes. Tu tiens droite. Tu relâches tes épaules. Joins tes mains au centre si tu veux. Fléchis. Serre ton périnée, rentre ton ventre. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On a le dos droit, les épaules légèrement vers l'avant. T'es pas encore en bas, toi? Tu triches? Descends. Descends, l'exercice est en bas. Descends, dépêche-toi sinon je sors la cravache. Ah, cochonne. Tu me donnes envie, là. Ah, t'as de la chance, j'ai pas mon sac. Non, 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 non. Qui c'est qui s'est relevé? Oh, on va rester encore longtemps, alors. Ça, c'est à faute de la patronne. Ouais. Allez, tu te redresses. Doucement, pas trop vite quand même. Émilie, c'est bizarre ce que tu fais comme bruit. C'est non mais enfin, c'est pas un cours sexuel que je donne, hein, je vous rappelle. Allez, tu mets ta cheville sur ton genou. Tu ouvres bien, on va travailler un petit peu tes adducteurs. Tu te mets en équilibre sur ta jambe droite. Si tu veux te tenir à un mur, un rideau, ton... je sais pas moi, ce que tu veux as le droit. Hein. Allez, hop, on fléchit. Ouais, je sais. On va fléchir, tu pourras mettre ta main sur le canapé. Allez. Allez. Allez, descends. Descends. Ça tire derrière la fesse. T'aimes ça, hein? Ah ouais, je le savais. Descends. Descends. Allez, remonte. Ah ouais, ça tire. Ah, ah ouais. Pied largeur de ton bassin. Descends. Baisse au niveau de tes genoux. Une fois que t'as atteint, tu tires. Oh là là. Ça va tes cuisses, ça tire pas trop. Allez, redresse-toi. Cheville droite, genou gauche. Et on descend. Oh, c'est dur, hein? Ah, c'est dur, hein? Et on veut descendre, là? C'est quoi ces gens qui restent debout? Ah, moi, j'ai plus l'équilibre. Ok, les deux, hein? Allez, on fléchit sur sa jambe. On va chercher, c'est comme ça qu'on crée du muscle. C'est quand ça commence à faire mal. On aime quand ça fait mal. Dites pas non, c'est pas vrai. Vous êtes aussi maso que moi. Qu'est-ce que tu fous debout à marcher sur tes deux pieds? Tu veux te mettre en position, oui? Eh, je m'en fous, on y reste tant que vous n'y êtes pas toutes. Non, moi, je peux encore tenir. Non, non, je vais pas la variante de Sophia. Allez, redresse-toi. T'es même pas blessé. Hop, largeur de ton bassin descend. Et bien sûr, on pose pas ses coudes sur ses genoux. Ça fait moins travailler, on les lève. Plus râler,
Ça va? On n'a pas trop mal? Allez, redresse-toi. Écarte les pieds. Talons vers l'intérieur. Et on descend. Allez, rebondis sur tes jambes un petit peu. Mets bien les fesses en arrière. Je dégouline. Pose tes mains au sol dans tes jambes et reste en gainage. Vérifie en même temps que tu as bien les épaules au-dessus des mains. Descends sur les coudes. Donc si t'es pas encore sur ton tapis, passe sur ton tapis bien sûr. Et on descend sur les coudes. I could tell a story. Ton avignon, hein. Main, coude, pause. Et va poser les fesses sur les talons. Passe en position assise. Allez, tu vas poser ta main gauche au sol, d'accord? Tu la poses au niveau de tes fesses. On va faire le mouvement comme si tu voulais te lever, d'accord? La plupart du temps, quand on est assis comme ça, parce que souvent on est assis comme ça, hein, bien sûr, on est assis, on pose sa main et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on veut se lever. Nous, on va pas se lever, on va passer à genoux. Je pose ma main et je reviens assise. Quand tu es assise, et essaye, regarde, tu es assise, hop, tu veux te lever, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes pieds en dessous toi, d'accord? Et hop, tu te rassois. Je pose ma main, je me lève, et je me rassois. Et bien maintenant, tu passes à genoux, hop. Voilà, et hop, tu repasses assise. Ça fait travailler au niveau des abdos. Hop, contracte-toi pour lever tout ton corps. Ouais, super. Blanche,
Excuse-moi, c'était le temps que j'arrive à lire. Hop, je pose ma main et hop là. Ouais. Eh, c'est Camille, elle sait faire des trucs. Pose ta main et tourne. Rachel, je dirais bien ça aussi, mais je te vois pas. Hop, pose ta main et hop là. Je change de côté, c'est parce qu'on va faire l'autre épaule. Donc, l'autre main. Je pose ma main droite et hop, je tourne. Et je repasse dans l'autre sens. Et hop, j'y vais. Faut bien lever ses pieds si on veut pas embarquer son tapis. Donc on sent bien hein, sur les côtés que ça travaille là. Hein, on a l'épaule, mais on a bien les obliques là. Hop. Hop. Et on reste en position assise. On lève ses jambes. Et tiens, dans une jambe gauche, ramène, l'autre, ramène, l'autre, l'autre. Rentre ton ventre, serre ton périnée. Et relâche. J'ai pas dit qu'on posait les pieds. Allonge-toi. Attention, je n'ai pas posé les épaules ni les pieds. Et rassis-toi. Fais l'étoile. Et ramène. Hein, Carole? Fais l'étoile. Ça te rappelle le sketch? Tends les bras sur les côtés. Fais bien l'étoile. Allez, on y va. 2, 3. 6, 7, 8, allez plus que 2, 9, 10, reste en équilibre à 6, 10, 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
Et j'en ai encore sous le pied. 20h40. Allez, il est 20h40, je vais peut-être vous laisser tranquille. Ça tenait qu'à moi, je continuerai, hein, je vous préviens. On dit merci à Carole encore une fois, hein, parce que c'est grâce à elle qu'on peut faire. Bisous les filles. Ciao, ciao.